Bonjour et bienvenue à cette capsule pour vous présenter la formation pour les parents. Oui, en effet, en fait, Diane et moi, nous allons co-animer une formation pour les parents, parce que il n'y a pas de diplôme pour être parent, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent, et certains parents, en tout cas, je sais que Diane et moi, on a été confrontés à certaines difficultés, et on a trouvé pas mal de réponses, notamment dans des formations, dans des livres, pour nous soutenir, pour partager avec d'autres parents. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est une formation de 4 jours sur des thèmes différents. Il y aura une journée sur le stress, une journée sur la motivation et l'épanouissement, une journée sur la confiance en soi et une journée sur comment cadrer des comportements plus difficiles. Et vous serez mélangés avec des professionnels de l'accompagnement de l'humain, parce que vous allez vous insérer dans un module de spécialisation pour former des coachs parentaux. Donc, c'est super. Vous êtes très chanceux parce que vous aurez l'occasion, durant cette formation, d'être accompagné par rapport aux problèmes ou aux difficultés que vous rencontrez par des personnes qui sont spécialisées ou qui se spécialisent dans l'accompagnement des problématiques parentales. Voilà, alors peut-être ce qu'on peut faire, Diane, c'est chaque fois illustrer avec un exemple. Dans le module sur la gestion du stress, par exemple, eh bien, c'est de dire plutôt que d'être confronté à du stress, de tous les jours s'énerver sur, par exemple, le désordre dans la chambre ou des enfants qui n'ont pas envie de faire leurs devoirs ou des disputes ou des ados qui ne respectent pas l'heure de rentrée des sorties ou les règles sanitaires ou autres. Eh bien, plutôt que de tout le temps s'énerver et buter contre le même problème, c'est comment prendre du recul, changer son état d'esprit par rapport à la situation pour pouvoir amener une réponse plus créative et plus adaptée et souvent plus efficace. Dans ce module-là, vous aurez aussi des outils pour gérer le stress de vos enfants. Donc, quand vos enfants sont en colère, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire si vous voulez qu'ils se calment? Quand vos enfants sont anxieux à l'idée d'aller à un anniversaire ou de passer un examen, ou quand vos enfants sont découragés parce que la chose qu'ils doivent faire leur paraisse une montagne. Vous aurez des clés pour remobiliser vos enfants et les faire changer d'état d'esprit quand ils sont stressés. Voilà, deux jours de formation. En général, c'est moi qui le donne, donc c'est pour ça que je prends la main. C'est un jour qui est consacré à la motivation et au plaisir, aussi bien du parent. Donc, imaginons que dans votre parentalité, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de « il faut, je dois » et peu de plaisir. Eh bien, vous pouvez, grâce aux outils qu'on va partager avec vous, retrouver une manière de faire ou d'être dans la parentalité qui soit plus proche de vos motivations intrinsèques, donc de ce qui vous donne du plaisir et de l'énergie. Comme pour la formation en gestion du stress, ça va aussi vous donner des outils pour gérer la motivation de votre enfant. Donc, quand votre enfant, mieux comprendre déjà la motivation de votre enfant, donc certains ont du plaisir à mettre des boîtes dans des boîtes, pendant que d'autres ont du plaisir à aller faire du skateboard dans le jardin. Pourquoi déjà, donc de mieux comprendre. Et puis, comment est-ce que j'utilise cette motivation de mon enfant pour lui permettre de faire les choses de la vie quotidienne avec plus de motivation, plus de plaisir. Et puis, comment je communique avec lui en fonction de sa langue de motivation. Ok, alors la troisième journée est consacrée à la confiance en soi, l'estime de soi. Ça, en général, c'est moi qui l'anime. Et donc là, on va d'abord explorer ces concepts de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, de bienveillance envers soi. Et là, vous aurez vraiment l'occasion de faire le point en fait, sur votre image en tant que parent. Est-ce que vous aimeriez être un de vos enfants? Normalement, oui. Et pourquoi? Et puis aussi des clés pour, en tout cas, être attentif à ce que vos enfants pensent d'eux.
Et donc, leur image d'eux, leur confiance en eux également. Donc, comment oser prendre des risques et toutes les croyances également autour de l'échec, autour de soi. Je suis nulle en ou je suis bon en. Donc, on explorera tous ces concepts. Et c'est vraiment une formation qui fait du bien parce qu'on va apprendre à s'auto-valoriser et comment rendre nos enfants plus autonomes aussi par rapport à leur image et ce que les autres pensent d'eux. Dans la quatrième journée, nous allons plonger dans les comportements difficiles, hein, les crises de colère, les rapports de force, les difficultés à obtenir de nos enfants ce qu'il faut qu'ils fassent. Et donc aussi, c'est une journée qui se penche sur le thème de l'autorité. Donc, comment avoir de l'autorité sans péter les plombs, sans crier, sans être tyrannique ? C'est dans cette journée, vous allez vraiment trouver des clés de compréhension de la logique d'une autorité dans le calme, avec fermeté et bienveillance. Donc voilà pour ces quatre journées. Alors, c'est vrai que pendant tout un moment, on permettait en tout cas aux parents de choisir les journées. Mais là, vraiment par expérience, on vous conseille de faire les quatre journées parce que c'est un bloc cohérent où on fera régulièrement des liens d'une journée à l'autre. Et puis, on gagne du temps parce que si il faut en fait recadrer, refaire connaissance après chaque journée, on perd énormément de temps en termes de contenu et de partage. Donc voilà, c'est pour ça que les quatre jours sont une formation en soi pour les parents. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Ça va vous donner plein d'outils et plein de clés de compréhension. Oui, et donc Catherine et moi, ces outils qu'on partage avec vous, on les applique dans nos vies quotidiennes de maman. On vit toutes les deux, chacune avec quatre enfants qui sont entre, on va dire, 25 ans et 12 ans. Et donc, c'est vraiment des outils qui sont éprouvés au quotidien. Et vous aurez l'occasion de les découvrir, bien sûr, avec deux formatrices, mais aussi avec des coachs qui sont en formation avec vous pour s'entraîner à aider des parents. Donc, vous aurez pléthore de personnes qui vous veulent du bien et qui veulent vous aider à trouver des solutions pour vos défis du quotidien. Donc, si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à demander plus d'informations à la Leading and Coaching Academy et nous serons ravis d'y répondre. À bientôt. À bientôt.